Donc Freddy's Fazbear Pizza. Ah ah, y'a Chica. Ah, c'est Puppet. Ah, oh oh, il revient. Ah. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Donc la dernière fois vous avez grave apprécié la vidéo sur The Oldest View. Donc la vidéo durait plus d'une heure, mais comme moi vous avez grave apprécié l'ambiance, l'univers. Et aujourd'hui je vous propose de faire ça avec une licence que vous connaissez bien, donc Five Nights at Freddy's. Donc pour cela on va se rendre sur la chaîne de Valox. Il nous a fait une petite playlist du nom de FNAF Movie VHS Collection. Donc aujourd'hui on va regarder des cassettes de FNAF. On en a 16 au total pour l'instant, dont une qui est masquée, donc on aura peut-être une 17ème. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble, c'est parti. Five Nights at Freddy's, new game. Donc ce n'est pas un jeu, c'est une animation. On voit le Freddy glitcher. Ok, donc là c'est juste pour nous préparer à l'univers. Et on enchaîne sur la deuxième vidéo. Donc les yeux rouges. Donc regardez, on est dans le bureau. Oula, il n'y a plus de courant. On est mort. Freddy va arriver. C'est sûr que Freddy va arriver. Oh là là. J'ai tellement vécu ce moment. C'est la fin. Oh oh. Les yeux rouges. Oh, le pire moment. Vous imaginez s'ils existaient vraiment, les animatroniques? What? Ok. Ok les amis, on enchaîne sur la troisième vidéo. Donc Break-in, je pense qu'on va rentrer par effraction. C'est le nom de l'épisode. En tout cas, l'animation est grave stylée pour l'instant. Hein. J'aime beaucoup. Freddy Fazbear. Donc c'est la nuit, il n'y a personne. Je sais pas quelle heure il est. De tard dans la nuit. Et dites-moi dans les commentaires si ça existe, un Freddy Fazbear dans la vraie vie. Ils ont dû le faire, c'est obligé. Ok, c'est fermé, on a ramené un sac. On a dû forcer la serrure, je pense. Donc regardez, on est dans la salle principale. On voit le cash prize au fond. Il y a les arcades. Donc là, c'est la salle où tous les enfants mangent avec les parents. Les animatroniques qui font les spectacles sur la scène. La scène qui est juste là, regardez. Ils sont là d'ailleurs. Bonnie, Freddy et Chica avec son cupcake. Même quand ils sont inactifs, ils font flipper. On a sûrement Foxy pas loin. Dans le Pirate Cove. Donc là, employee only. C'est fermé. Est-ce qu'il va essayer d'entrer? Oh là là, la pression. Ok, la salle d'arcade. Donc la vidéo n'est pas de très bonne qualité, c'est fait exprès. Ça rajoute vraiment un côté stressant. Pirate Cove, donc c'est là qu'on va trouver Foxy. Derrière son rideau. C'est tellement calme les amis. Oh mon dieu. Oh, il est horrible. Ferme ça direct, mec. J'ai l'impression d'être à sa place, ça me fait flipper. Donc là, on a le prize, mais il n'y a aucune peluche, il n'y a rien du tout. On dirait qu'il a été abandonné, ce Freddy Fazbear. C'est pas sale, mais c'est trop calme, y a rien du tout. Et là, on a une porte ouverte. Attendez, mais nous, ce couloir. On a les télés. Ah, je pense que ça va emmener justement à la salle du gardien. Regardez les fameux dessins qu'on voit à chaque fois.
Voilà la zone de contrôle de surveillance. Le cupcake. Donc, je pense pas qu'on puisse klaxonner avec le nez de Freddy sur le poster. Ok, donc ils peuvent se cacher là, vous avez vu? Mais il n'y a pas d'autres pièces derrière, non. Fun time. Avec les affiches. Donc là, vraiment, ils visitent les lieux. Hein? Ils sont réveillés? Oh mon dieu, regardez les yeux rouges sur Bonnie. Petit rire d'enfant. Oh! Oh, cours, mec! What? Ça y est, ça commence! C'est la première nuit, les amis! Oh mon dieu. Oh, mais partout, mec. La porte, ça va pas retenir. Hein. Oh oh. Oh oh. Une porte barricadée. Ils viennent pas ouvrir les portes? What? Il y a encore des arcades. Les gars, il m'a fait flipper, Bonnie. What? Non, 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 non. Alors, c'est qui? C'est Spring Bonnie, ça? Regardez, c'est plein de sang. Quand le costume s'est refermé sur lui. Oh, c'est horrible comme il a dû souffrir. Oh mon dieu, j'espère que vous êtes pas cardiaque. Oh, c'était horrible. Oh là là, c'est horrible, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il allait se réveiller, vraiment. Ok. Premier jour de travail. On va voir avec quoi on travaille. Alors attendez, je vais mettre les sous-titres en français. Au moins, c'est mieux pour vous. Voyons avec quoi nous travaillons ici. J'ai des casiers. Ok. Ok, c'est plus petit qu'endroit où j'ai travaillé la dernière fois. Donc je vous laisse lire, les amis. On a le fun guy. Non, on est qui? Ok, le levier. Oh, c'est trop stylé. Il aurait pu perdre la tête, c'est vrai. C'est tellement dangereux. Mais au moins c'est instant. On sait que si un animatronique vient, on peut le fermer. Et vous avez vu les coups? Alors que les animatroniques ont tapé dessus. Dutch Foxy, c'est à côté gauche. Hein. Oh, ça met du temps à remonter. Ok, on a aussi une lumière. C'est préférable de la lumière. Oh là là. Ça éclaire beaucoup mieux. Par contre, il y a un délire de batterie. Hein. Mec, regarde ton écran, il y a un délire de batterie. Il est pas encore au courant. Il va être surpris. Mec, t'as une batterie là. En gros, sur ton écran. Ce bureau est vraiment petit. Ouais. Okay. Oh là là, 87%, je suis pas bien pour lui déjà. Regardez, la batterie elle descend très vite. Il est complètement inconscient. What? C'est pas ça, 64? Donc là, regarde les caméras, il est pas encore au courant. La machine à café était en panne, elle voulait prendre un café. Il va sûrement faire une sieste, il a dit. Qui sait si quelqu'un rentre, on entend les bruits, c'est pas insonorisé. Donc il pense que là qu'il est safe avec les caméras. Mais il fait pas gaffe à la batterie? Je plaisante pas, d'accord? Ils sont partis. Les gars, ils commencent à comprendre que les animatroniques sont possédés et qu'ils bougent. Il va devoir regarder de lui-même sans les caméras. C'est un malade, il a 30% de batterie. Il a pas capté encore. Les gars, j'ai tellement peur pour lui. Il sait pas ce qu'il attend. Donc là, c'est une autre personne. Hein. Mais t'es un malade, je vois les animatroniques bou... What? Il en reste qu'un. Donc c'est Freddy. Où sont passés les autres? Mais non, c'est pas drôle, mec, mais c'est des robots là, c'est. Ils sont pas censés bouger. Chica est sûrement dans les toilettes. Ok!
On a trouvé Chica. Oh my god, les bruits. Oh mon dieu, les gars. Oh, les yeux rouges. Cours. C'est malade. C'est horrible. Ferme. C'est incroyable. Les gars, c'est trop bien fait. Regardez la batterie. Oh, il a 2%. C'est malade. Le pauvre, ça y est. Il est cuit. Les portes se relèvent. Qui va l'attaquer en premier? Ah bon. C'est Freddy? Non, ça m'arrive pas. Eh oui, mec, c'est fini. Allez, les yeux rouges encore. Il est cuit. Chica doit être juste derrière à droite. What? C'est malade! Mais il a raison! Il a raison! Chica! Il est cuit! J'espère qu'il n'y a pas Bonnie derrière. Mec, retourne-toi. S'il te plaît, retourne-toi, je veux être sûr que c'est safe derrière. Oh oh. Et mon pote! Ah, c'est horrible! Ok, c'est... yes. Oh mon dieu! Oh le pauvre! Les gars, c'est horrible! Il a dit que c'était showtime! Il était seulement 3h45. On était loin de terminer la nuit. Eh, ces VHS sont tellement incroyables. Nuit 1. Oh là là, elles sont tellement bien ces VHS. Ok les amis, j'ai l'impression qu'on est dans une voiture de police. Regardez, ça devient rouge et bleu. C'est sûrement la sirène. Donc ils ont été appelés. Donc c'est un Freddy Fazbear abandonné. Fermé dans les années 80. Ok, ils ont vu une infraction. Donc c'est le mec qui est rentré par infraction, vous vous rappelez. La vidéo juste avant. On est venu avec notre sac, on n'était pas censé rentrer. Ok, c'est grave stylé. Alors, attendez, la qualité est à fond là. Ah ouais, on n'a pas mieux en qualité. Hein. Ok. Déjà le flic, pourquoi il est tout seul? Il ramène des renforts. Police. Bonjour, il y a quelqu'un? C'est la police. Oh là là, s'ils savaient, ils partiraient direct. Ok, donc ils ont entendu des cris. C'est pour ça qu'ils viennent. On sait que c'est qui les a alertés, parce qu'ils ont entendu des cris, c'est que ça s'entendait vraiment très très loin. Donc il n'y a plus personne sur la scène, vous avez vu. Ils pensent que les animatroniques sont volés parce qu'ils sont plus sur la scène. Donc là, on a vu Freddy, Chica et Bonnie bouger, mais on n'a pas vu encore Foxy. Jesus. Oh mon dieu. Oh, ça m'a fait un truc de fou. Bouge, mec. Je serais toi, je resterais pas là. Et en plus, il les insulte. C'est du sang. Donc c'est Bonnie qui a massacré la personne juste avant. Oh, il est inconscient. T'approches pas comme ça. Oh oh. Ok, c'est l'estate, on a un calibre. On est la police en même temps, c'est normal. Moi j'aurais pas tourné le dos à Bonnie perso. Y'a un problème à Freddy Fazbear Pizza Place. Quelqu'un a déplacé les animatroniques. L'un d'eux était caché derrière un mur. Il est couvert de sang. Le suspect est toujours dans le bâtiment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gars, ils pensent qu'il y a un humain à l'intérieur. Oh my god. On le connaît ce bruit.
What? It's me. Oh mon dieu. Est-ce qu'il l'a vu? Vous pensez qu'il a eu les visions? What the hell? Qu'est-ce que c'est? Who's there? Show yourself. Mais les gars, c'est angoissant de fou là. Imaginez le courage qu'il faut. Come out right now. Quit playing games. Okay, vous pensez qu'il va tomber sur qui? C'est horrible. Ça marche? Non, c'est pas possible que ça marche. Oh là là, il est encore plus horrible glitché comme ça. Mec, cours. Enfuis-toi. Ah! Il a pas vu? Il y a quelqu'un à côté de lui! Les gars, il y a quelqu'un derrière! Quelqu'un derrière! Non! Attendez, c'est notre Freddy? What? Pourquoi il y a notre Freddy? Il a pas d'oreille. Je crois qu'il a même pas le micro. Oh my god. J'ai peur. J'ai vraiment peur pour lui là. Rattrape. Oh regardez, on voit la scène en direct, c'est trop stylé. Avec les caméras? Wow! Il a tué carrément. Il y avait une mare de sang au sol. Et ces cassettes, elles sont vraiment gore. Ok les amis, cette cassette, elle peut traumatiser certaines audiences. Donc faites attention. Ok. Ah, j'ai l'impression que ça se passe encore dans... le bureau du gardien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Là, c'est allumé. Henry, is that you? Henry? Donc c'est une femme qui parle. Et les VHS sont vraiment réussis, je kiffe vraiment l'ambiance. Les animatroniques ne sont pas là, vous avez vu, ils sont toujours pas sur la scène. What? Il y a eu un bruit. Restroom. Il n'y a plus de lumière. Restroom, c'est les toilettes, les amis. Est-ce que ça serait pas Chica? Oh là là, le bruit. Ah, j'irai même pas. What? Il y a un animatronique au sol, regardez. C'est Bonnie? C'est Bonnie? Ils sont... Ah! C'est Puppet! Et tenez le masque de Freddy! Vous voyez, c'est... Ah! Ok, on se tire! Oh mon dieu! Ils se sont tous réveillés! Donc, des enfants disparus le 26 juin 1985. Donc, c'était à 5h26. Donc, regardez, là, c'est la journée. Il est 17h26. Donc, il y a le spectacle des animatroniques pour les enfants. Vous voyez, il y a les parents et tout. Cam 10. Donc, rien de bizarre. On a une animatronique. C'est Springtrap? Si, c'est bizarre, justement. Springtrap avec un enfant. Qui veut-il venir, regardez. Ok, donc c'est le suspect, il portait le costume de du vieux Springlock et il emmène l'enfant dans les toilettes. Oh non, la pauvre, la petite fille. Et du coup, regardez là, il se lève. Vous avez vu, le mec était en train de courir. Je crois qu'il a remarqué quelque chose.
Mais regardez, il attire encore les enfants. Oh, non, c'est horrible. Donc ça, les amis, c'est le jour où les enfants, ils ont été sacrifiés. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une... C'est subtil, regardez. Il y a la tête de l'enfant. Eh, c'est passé tellement vite. Et donc là, c'est l'heure de la fermeture. 9h du soir. Donc les animatroniques sont sur la scène. Et vous avez vu Springtrap, il a tiré les enfants pour les tuer. Il est toujours dans le costume. Donc je sais que je dis Springtrap, mais il y a plein de noms, hein. Purple Guy. Ok, donc il a quitté la même pièce. Peu de temps après que les enfants ont été portés disparus. Donc les enfants ont disparu, les corps n'ont pas été retrouvés. Et les clients ont commencé à se plaindre d'une odeur bizarre qui sortait des costumes animatroniques. Et les parents ont commencé à dire aux autorités que il y a du pu qui sortait des yeux et de la bouche des animatroniques. Donc nous on le sait pourquoi il a mis le corps des enfants à l'intérieur. Vous imaginez les animatroniques avec une odeur horrible. Les enfants disparus ont malheureusement été retrouvés décédés, rentrés à l'intérieur des cordes animatroniques, probablement pour les cacher. Donc ça, ça a été les photos prises pendant l'enquête. Oh mon dieu. Vous avez vu là à l'intérieur le pauvre? Donc c'est Jeremy Hawkins, il avait seulement 7 ans. Vous imaginez comme c'est cruel? Gabriel Lloyd, seulement 9 ans, dans le corps de Fritchie. Suzy Smith, 4 ans, dans le corps de Chica. Donc Chica est bien une fille, vous avez vu? En fait, chaque enfant, il possède l'animatronique. Son âme le possède. Et là, c'est Fritz David, 13 ans, dans le corps de Foxy. Donc le tout premier était dans le corps de Bonnie. Et c'est ces enfants qui vont hanter les animatroniques. Cassidy Newton, seulement 9 ans. Alors attendez, celui que j'ai dit que c'était Freddy en double, en fait c'était Golden Freddy. Oh mon dieu, la tête. Ok, donc William Afton a affirmé que c'était mieux qu'ils sortaient les corps par eux-mêmes pour pas affecter l'équipe. Les costumes d'animatronique ont été lavés, ils ont été maintenus et ont dû attendre jusqu'à la semaine suivante parce que c'est le moment où ils sont généralement maintenus et surveillés. Regardez, il y a les tombes des enfants, malheureusement. Donc on a 6 tombes, vous avez vu, 5 devant et une au fond. C'est un mensonge. Tout est mensonge. La mort n'est pas la fin. Oh mon dieu! Vous avez vu, c'est Golden Freddy? C'est horrible. Donnez la vie. Il a dit qu'il était pas mort, Golden Freddy, et qu'il allait le faire souffrir. Les gars, ces VHS sont incroyables, je ne cesserai de le dire. Attention les amis, celle-là aussi, elle peut vous traumatiser. Hein. Vous êtes prévenus. Ok, on est dans une voiture à nouveau. Freddy Fazbear. C'est dommage de voir cet endroit fermé, d'autant plus que c'est que tout a commencé. Tout le travail acharné, 5 ans perdus, tout cela parce que William ne pouvait pas s'occuper de ses propres enfants. En tout cas, c'est vraiment beau. Je suppose qu'il doit me remercier d'avoir lancé cette chaîne de pizzeria, sinon nous serions tous les deux foutus en ce moment. Donc c'est son associé, ça. Vous savez qui c'est normalement. Fred Beer, Spring Bonnie du coup. Ou Springlock, pardon.
Fred Bear's Family Diner will unfortunately become a thing of the past. Ah, c'est le Fred Bear's Family Diner. Donc il va remplir des papiers. Ok, et là on revient, ils y sont plus. On va couper le courant d'une seconde à l'autre. En tout cas, ils sont flippants, hein, surtout Fred Bear. Hein. Ok, on éteint. Eh bien, ça y est. Quel que soit le succès de Freddy, cet endroit vous donnera toujours l'impression d'être chez vous. Est-ce qu'il va pouvoir partir sans... C'est Puppet ! Mon dieu. Ça a dû le réveiller. Vous avez vu? Il y a une genre d'âme blanche. Elle fait les mêmes mouvements que Puppet. Oh mon dieu. Puppet est aussi un enfant. Oh, c'est horrible. Je sais quelque chose qu'il ne sait pas. C'est vraiment une triste histoire. Une histoire de deux hommes noyés de chagrin. Je sais où il l'a caché. Je sais où la cassette. Mais papa ne sait pas. Je veux lui montrer. Et il a peur de moi. Donc c'était la fille de celui qui s'est enfui. Regarde. Et William, c'est celui qui a sacrifié les enfants. Ok, on a des enregistrements, les amis. On a une petite fille qui pleure dehors. On a une voiture. On dirait qu'elle est violette, la voiture. Et il y a un homme qui vient l'attraper. Regardez, on dirait qu'il est bourré. Oh, il a mis une gifle. What? Il est en train de massacrer. Non. Il y avait un enfant d'ours qui s'est fait massacrer pendant que les enfants à l'intérieur s'amusaient. Donc c'est ça l'histoire de Puppet. On l'avait déjà vu par rapport au jeu. Après un autre incident au dinner, Freddy a été obligé de fermer pendant que la nouvelle chaîne de pizzeria a été autorisée à continuer en cachette. Ils ont engagé de la sécurité. Regardez. On voit clairement la petite fille, la pauvre, et on a Puppet par-dessus. Oh oh. Oh oh. Elle est horrible. Cassette marionnette est horrible. Elle a enlevé son masque. Ce soir, vous allez pas dormir. Je suis désolé. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Je sais que tu regardes ça, je sais que tu vas te rappeler et que tu vas vouloir revenir. Mais sache que je suis toujours là, je ne te déteste pas. Mais je vais m'assurer que tu vas avoir ce que tu mérites. Je regarde toujours William. Donc William, c'est l'homme qui l'a tué, c'est Purple Guy. Le mystère de Charlotte Emily. Donc Puppet. Incroyable. Rendez-vous compte, cette VHS nous permet de comprendre encore mieux l'histoire de FNAF. Si vous avez galéré jusqu'à présent à comprendre avec les let's play, là ça clarifie vraiment la chose. Ok les amis, on se retrouve à nouveau dans le bureau. On a cassette, c'est Bonnie. Donc là on les observe, je sais pas, on a combien de batteries. Je sais pas, on a quelle nuit. Ok, il a l'air de s'y connaître en tout cas, parce qu'il est clair. Il sort pas du bureau. Ok, on entend à gauche. Dans cette pièce. Non, c'est derrière nous, c'est Bonnie. Ferme, espèce de malade.
Mais quoi, pourquoi il ferme pas? Oh, y'a Chica aussi. On est mort. C'est mort. C'est la fin. Y'a Bonnie dans le bureau. On est cuit. Oh mon dieu, il est horrible comme il glitch. C'était trop tard, les amis. Bonnie. Ok, cette VHS était vraiment rapide, les amis. On en a pas que des longues. Ok, les amis, nuit 2. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont sur la scène. Je sais pas s'ils sont. Peut-être pas. Attendez, c'était quoi ce bruit? J'espère qu'il y a personne à l'écouloir. Ah! C'était Foxy! Ok, y'a Freddy qui rigole, c'est pas bon. Ah! Y'a Chica! Oh mon dieu, c'est horrible! Ça sent la fin pour lui. What? Chica, c'est des cris d'agonie à chaque fois, c'est horrible. Mec, allume la lumière avant, espèce de malade. Dégage. What? C'est bon, il a tenu. C'est le matin. Et Chica s'est désactivé. Oh la chance. Nuit 2. Oh la pression. Imaginez en vrai. Imaginez juste un instant en vrai ce que ça doit faire de travailler là-dedans. The Yellow Bear, l'ours jaune. Jamais cru à tout cela. Mais après que certains événements se soient produits, j'aimerais essayer de communiquer avec d'éventuels esprits dans le bâtiment. Vous avez vu, c'est barricadé en gros, par rapport à l'enquête. Donc c'est eux-mêmes qui se sont débarrassés des corps pour pas qu'il y ait une enquête et qu'ils ferment les établissements. Ils veulent comprendre ce que le chip a fait, celui qui les a assassinés, donc Purple Guy. Par contre, l'ours jaune, je pense que ça fait référence à Golden Freddy. C'est horrible, regardez, ils sont dégueulasses. Donc il a l'appareil pour voir s'il y a les esprits. Rappelez-vous, on l'a fait dans un fan game très récemment. Mais sur FNAF Plus. Donc là, il essaie de capter la présence d'esprits. Oh là là, c'est horrible. Ils sont pleins de sang, les animatroniques. Hein? Bonnie a ouvert les yeux? Je crois que Freddy aussi. Hello? Oh oh. Il y a un bruit. Ne tourne pas le dos aux animatroniques, mec. C'est Golden Freddy, du coup. Oui, regardez. L'ours jaune. Il lui manque une oreille. Is there anyone in the room with me? Y a-t-il quelqu'un dans la pièce avec moi? Hello? Hello? Oula. Whoa. Ça dit hi? Ça dit bonjour? What is your name? Quel est ton nom? Could you please repeat that? Est-ce que tu peux répéter? Il y a un petit bruit. On a mal entendu. What do I want? Qu'est-ce que je veux? I want to help. Je veux aider. Parler. Et quand on arrive à communiquer? Are you still with me? T'es encore avec moi? Could you please tell me your name? Est-ce que tu peux me dire ton nom? Cassidy. Cassidy. Did you say Cassidy? C'est incroyable. Gars, c'est Cassidy dans le costume. Okay. How old are you? Quel âge as-tu? 9 ans. Do you remember what happened to you? Est-ce
Tu te souviens ce qui t'est arrivé? C'est quoi la dernière chose dont tu te souviens? Meurtre. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu n'es pas le seul. Est-ce que t'étais seul quand t'es mort? Others. Ok, donc elle était pas seule. Je pense qu'Assidji, c'est un nom de fille. Hein. Qui était avec vous? Gabriel. Gabriel Lloyd, n'est-ce pas? Y avait-il quelqu'un d'autre? T'es encore avec moi? Cassidy? Dark? Trop sombre pour voir les autres? Ouais, il a dit quoi? Cassidy, t'es toujours avec moi? Voilà. Plus de questions? Ok, je crois qu'il en a marre. Stop! Sors! Écoute, je comprends que c'est difficile, mais j'ai besoin de réponse. Les gars, sors! N'insiste pas, mec! Hein? Quitte! Pars! Stop! Va-t'en! Ok, arrête, mec! Sors, mec! N'insiste pas! Là, elle est en train de te menacer, là! Elle est en train de te prévenir! Écoutez-moi! Bien, tu sais quoi? Très bien, écoute. Nous avons des images sur les caméras d'un lapin jaune, vous attirant tous dans l'arrière-salle. Nous avons déjà un suspect derrière les barreaux, mais je n'y crois pas, donc je vais demander encore une fois. C'est qui le tueur? What? Qui vient de se passer? Mais pourquoi il a insisté, ce malade aussi? Elle lui a dit de partir. Ok les amis, cette cassette s'appelle la grande réouverture. Donc elle peut toujours vous traumatiser. Attention. Reggie Fazbear. Donc 14e jour de ce journal vidéo. C'est son premier jour de travail. Enfin, de nuit plutôt. Donc ça va être la garde de nuit je pense. Vous vous rendez compte tous les gardes de nuit différents qui ont travaillé ici? What? Y'a Balloon Boy? Mais c'est FNAF 2 du coup! Et y'a les toys! Attendez que les derniers membres du personnel qui travaillait à la fermeture partent donc. Maintenant, nous pouvons verrouiller. Ok, ouais, donc celle qui charge la sécurité, c'est sûr. Donc après qu'il y a eu l'incident, ils ont voulu redonner une image au restaurant pour que les gens viennent parce qu'il y a eu un gros drame. Donc ils ont tout changé. Donc elle va aller couper le courant pour que tout soit éteint et que c'est fermé. Et là regardez, ils sont en version toy sur la scène. Mais on a quand même les anciens qui sont dans une pièce. Et ça vous vous rappelez. Donc ils sont un peu plus détruits. Donc c'est les Wizard, hein, que je dis pas de bêtises, dans le 2. A chaque fois je me trompe dans les jeux, je dis les Nightmares c'est dans le 4, ou j'inverse. Dans le 2 normalement c'est Wizard, ceux qui sont un peu... qui sont un peu comme ça quoi. Un peu éclatés. Ah oui, le rire nerveux. Regardez, ils sont tous là. Il leur manque tous des parties des membres. En tout cas, on a les 5. Hein. Oh là, c'est horrible. Foxy, je pense, c'est le plus terrifiant. On sent vraiment le danger avec lui. Ok. Donc le bureau, ils lui ont dit qu'il était juste ici. Ok, donc Xavier, on a Chica Toy, Freddy Toy, et on aura Bonnie Toy du coup. On aura Balloon Boy. Et on aura Puppet aussi. Donc là, c'est la salle des fêtes, et on a aussi le bureau. Par contre, j'ai tellement pas hâte d'entendre Balloon Boy rigoler. Ça va être traumatisant. Oh
Oh, l'ambiance, c'est angoissant. Donc, rappelez-vous, le bureau est tout au fond. On a deux salles de fête à gauche, à droite. On a les ventes. Et le bureau nous permet de voir de loin avec le grand couloir. Et dans le jeu, il y a un délire de masque. Ben, il y a encore, regardez, on le voit. Certains animatroniques nécessitent qu'on mette le masque pour pas qu'ils nous attaquent. Oh non, les vents sont ouverts. J'aurais mis la grille directe. Franchement, j'aurais posé la grille dessus, moi. J'aurais essayé de bloquer quelque chose. Donc, on a nos caméras pour travailler. On a les petits... J'allais dire les petits fanarts. Pas du tout. Et le téléphone qui sonne. Qui appellera Steph? Donc, c'est le fun guy, ça. Hein. C'est un message enregistré. Hein. What? Bonnie a déjà bougé? Toi, Bonnie? What? Ça rigolait tout. Ok. Donc les toys peuvent passer dans les vents. Balloon Boy aussi. Les dessins en haut, c'était vraiment une représentation de ce qui s'est passé, hein, des meurtres. On n'a pas trop fait gaffe. Où est le jaune? C'est dans les vents. Ventilation, blocage, ok. Les problèmes, les amis. Lumière, lumière. Oh, le bruit. Ah! Oh mon dieu! What? Ok, elle est même pas morte. Va-t'en, va-t'en. J'ai oublié que c'est dans le bureau. Oh, la boulette. Oh non. Oh, la pauvre. Le gars, elle est foutue. Non, pas cette pièce. Pas cette pièce, les amis. Les gars, il y a tous les anciens ici. Oh oh. C'est la fin. Elle est cuite. Oh my god. What? Non! Regardez ce qu'ils vont lui mettre sur la tête! Oh, c'était horrible. Oh, comme c'était gore, celle-là. Ils lui ont incrusté le masque de force. Miss J. Everly. Never clock out. Elle s'en est jamais sortie, ça veut dire? Il y a une petite enquête pour la disparition de l'agent de sécurité. Et on a trouvé une backroom de part and service. Donc un truc caché. Next to a newly constructed animatronic. À côté d'un nouvel animatronic qui a été construit. Donc c'est un endroit caché. Regardez! C'est qui celui-là? Il était plein de sang. Et donc elle était broyée à l'intérieur du costume. Ils l'ont mis de force dans un costume. Oh là là. On dirait un genre de Freddy, mais c'est lequel celui-là? Et ses organes, ils ont été remplacés par de la mécanique avec des câbles. Oh mon dieu. C'est horrible. Des morceaux de métaux à la place de ses os. En gros, c'était un mix d'endosquelette et de sa chair et ses os de base. Ils l'ont fusionné avec l'animatronique. Perdu dans un accident tragique. C'est malheureux, mais ça arrive. Comment ça? Qui a osé dire ça? C'est William Afton, forcément. En gros, il pense que c'est elle qui a dû faire une erreur avec la machine et ça a conduit à sa mort. Entendez l'audio? C'est ce qu'elle a subi? Oh mon dieu. Dans les profondeurs des ténèbres où le secret est caché. Enfants et robots. Donc leurs âmes, ils sont entremêlées, je pense, ça veut dire. Un nouvel ami, une coquille de métal. Donc je pense qu'ils fêtent
Le fait que la gardienne s'est devenue une des leurs. Dommage que c'est pas traduit, les amis. Elle n'a pas pu rester, son esprit s'en est allé. Donc ça n'a pas marché avec elle, les amis. Ils ont essayé d'en faire une des leurs, mais ça n'a pas marché. Je crois que son esprit est parti. Donc elle est juste morte pour rien. Ah ! C'est Pepette qui a voulu faire ça, je pense. Parce que sur les dessins, on voyait que Pepette... Ah ! Springtrap ? Je sais des choses. Je suis toujours en train d'écouter. En train de regarder. Il revient. Aide-les. Sauve-les. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'était la grande réouverture, les amis. Birthday boy, les amis. I know you can't hear me, Jeremy. L'anniversaire du garçon. Avec la musique de la boîte à musique de Pepette. I miss you every day. God, I miss you every day. Il me manque tous les jours. 15 years is... Il y a 15 ans. It's a long time. C'est un long moment. And it's difficult for me to find closure when you were just taken. C'est dur pour moi. J'ai pas compris ce qu'elle a dit la suite. From me. So suddenly. Arrivé si soudainement. Pour elle, c'est difficile en fait d'accepter, je pense, la mort de son enfant. I miss you so much. Tu me manques tellement. Ils sont tellement morts dans des conséquences tragiques. Mom and Dad miss you too. C'est son enfant, oui. Dad gonna handle himself at the funeral. He had to step out. Donc c'était lequel d'enfant celui-là? Why would somebody do that to you, Jeremy? C'était le jour de son anniversaire. C'est tellement triste. Ils sont tous morts dans des circonstances horribles. I'm gonna find him, Jeremy. C'est Jérémy. I'm gonna find him. Donc c'est la mère de Jérémy, les amis, qui pleure. So that everybody can finally find some kind of closure. So nobody else has the same fate as you. Because no child deserves that. Aucun enfant mérite ça, la Jean. Donc je pense là, ils font tout pour fermer le restaurant avec les atrocités qui se sont passées. Ok. Oh mon Dieu. Regardez-le avec son couteau, il est plein de sang. Ah. What? C'est un malade. Souffle les bougies, mon petit. Oh mon Dieu. Ok, donc on a encore un enregistrement. Les amis, je sais que je dis Springtrap à chaque fois, je suis désolé, c'est Spring Bonnie. Bon, vous savez qu'à chaque fois, il revient et il change. Vous comprenez, c'est Purple Guy au final. Donc là, on a Bonnie. Donc il est 2h33.
comprends pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? What? Vous avez vu? On voyait le visage à l'intérieur. On voyait le visage du petit garçon. Oh mon dieu. Les gars, c'est horrible. Ok. This place has been abandoned for a very long while now. It was just sort of forgotten about. I'm sure we're all aware of the ghost stories. Ok, donc on a quelqu'un qui filme et qui dit que cet endroit a été abandonné depuis un très long moment. Freddy Fazbear's Pizza. Donc Freddy's Fazbear Pizza. Fantasy and fun come to life. Looks like other people have already been here because I can already see that the front door's been left open. Ok, donc il dit que la porte a été ouverte, donc des gens ont sûrement essayé d'entrer depuis le temps. Sûrement pour visiter. Donc là, c'est la dernière actuellement qui est sortie. Well, it certainly is creepy as shit in here. Oh! Wow! Ah, il m'a fait flipper! Hell. Je crois que je vous fais la même sensation quand je crie quand il y a des screamers dans mes jeux. So from what I know, they tried to keep the place running, even after the incidents. But of course, business wasn't exactly booming the same way after all that. Ok, donc il dit que même après l'incident, ils ont essayé de garder l'endroit, de le faire fonctionner, mais bon, ça n'a pas fonctionné. I assume it was a whole different vibe back then. Vu qu'ils ont eu une mauvaise pub. This place was full of the smell of pizza and the laughter of children. So many people must have been in here. Come poking around. Nobody seems to film it for others to see. Déjà, on a encore les animatroniques. Une mauvaise ambiance ici. L'atmosphère, elle doit être horrible. On imagine ce qui s'est passé avec les enfants. Ok, donc là, il visite. On a les bornes d'arcade, la piscine à boules. Ok, donc c'est une affiche de disparition. Enfant disparu. Donc là, c'est la salle des fêtes, hein, où il y a les anniversaires. Avec les gâteaux, etc. What? There's absolutely no way there's still power in this place. Comment ça, il y a encore de la... du courant dans cet endroit? Mais c'est pas normal. Employé seulement. On sait qu'il y a encore du courant. Après tout ce temps. Ok, c'est entrouvert. I don't know why they would set up a table in here of all places. Oh oh, il y a du sang. Looks like someone dropped their food. C'est pas de la nourriture, mec, c'est du sang, ça. Take me to the kitchen area, I think. Donc c'est quoi cette pièce là? Agile, on a des cartons. Hello? Oh, il y a un animatronique, je crois c'est Chica, les gars. Oh! What? Il y a un ancien gardien de nuit? Hello? Chica a dû le tuer? God. Oh oh. Ah, on est mort. Oh mon dieu. C'est fermé. Il est foutu. Il y a même Freddy. Oh mon dieu, les amis. J'aimerais pas être dans cette situation. Tourne pas le dos. Ah, c'est fermé. Oh, il a cassé la vitre. Il s'est gavé. Il s'est gavé, il a réussi à fuir. Oh mon dieu. Ça y est, ça termine comme ça, les amis. Vous vous rendez compte? On a vu en direct que Chica avait tué le gardien. Et lui, il a réussi à s'en sortir, heureusement. Lost location, lieu perdu. C'est la fin, les amis. Donc actuellement, c'est la dernière VHS qui est sortie. J'espère que vous avez kiffé. Il y en aura sûrement des prochaines qui vont sortir. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous kiffez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, cochez la cloche. Cochez bien toutes les notifications pour rater aucune de mes dernières vidéos. Donc c'est la fin de la vidéo. Pour ma part, je vais prendre soin de vous. Et à la prochaine.